pour un nouveau tutoriel coiffure. Il est vrai que depuis le dernier je ne me suis pas du tout améliorée à ce sujet, je suis toujours aussi novice on va dire dans la matière, donc j'espère quand même que je vais réussir à bien vous expliquer les choses. Il vous avait quand même beaucoup plu le premier tutoriel que j'ai fait avec le chignon bohème, donc suite aussi à une demande de quelqu'un en fait par rapport à la coiffure que je portais dans la vidéo des produits terminés je rachète ou pas, on m'a demandé de faire ce tutoriel donc je m'exécute. C'est quand même quelque chose à nouveau de très très simple que j'ai vraiment fait en 2 minutes. Je vais donc vous montrer deux façons de faire ce side hair de manière très simple. C'est parti! D'un point de vue général, que vous ayez l'arrêt comme moi à peu près au milieu ou sur le côté, il n'y a vraiment aucune différence. Donc la première étape va être de se brosser les cheveux tout simplement. Du tout compliqué et j'ai décidé de faire le side hair de ce côté là. Donc la première étape en fait va juste être avec des pins, c'est vraiment la technique la plus simple. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre sur le côté comme ici, je vais prendre les mèches et je vais les torsader en fait au fur et à mesure, je vais en prendre d'autres et je vais les torsader près du crâne comme ça. Je continue, je descends, je fais attention au niveau de l'oreille que les cheveux aillent bien derrière. À nouveau, je descends encore. C'est vraiment très très simple. Hein. Voilà. Une fois arrivé ici au milieu de ma tête, je vais tout simplement prendre des pinces plates que je vais introduire. Le plus simple, c'est quand même de les croiser pour que cela tienne vraiment. Cheveux, on va dire, moi je les laisse vraiment tout simplement comme ça, il n'y a pas de choses particulières. Et voilà, on a directement fini la coiffure. Est assez joli, fait assez naturel, peut être porté tout le temps, c'est super simple à faire. Je pense même que 2 minutes c'est beaucoup trop pour le faire, on va dire 30 secondes et hop c'est bouclé. Vous pouvez laisser vos cheveux naturels, donc pas de chaleur sur les cheveux, ça c'est bien aussi. Et puis voilà, avec nos doigts et 3 pinces on peut faire une coiffure assez sympa et très très simple. De faire en fait, ça va exactement être le même processus, sauf qu'en fait à la fin on va pas sécuriser avec des pinces, on va sécuriser avec un élastique transparent, un élastique noir, etc. La seule différence en fait dans la coiffure, c'est que votre torsade va être un petit peu plus lâché en fait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on part de la même base, je vais torsader comme tout à l'heure. Là je vais essayer de prendre une mèche beaucoup plus distincte pour éviter que les cheveux s'en mêlent. Je prends mon élastique et vraiment tout simplement de la même manière. Je l'attache. Je serre bien pour éviter que là ça retombe. Donc vous avez la première solution qui est de laisser comme ça. Tout simple, l'élastique est quand même apparent. Ou sinon, de prendre une mèche que vous allez juste enrouler autour de l'élastique. Et que vous allez attacher avec une pince plate. Et voilà, la coiffure est terminée. J'espère que cette coiffure vous aura plu. Dites-moi vraiment en commentaire la technique que vous préférez, celle avec l'élastique ou celle juste avec les pinces. J'attends vraiment vos commentaires en barre d'infos parce que moi-même je ne saurais pas dire en fait. Ça dépend laquelle tient mieux pour la journée. Voilà. Après, au niveau du devant, libre à vous de faire vraiment ce que vous voulez avec les bouclés. Je vous déconseille quand même de les laisser, ça fait un effet un peu bizarre, mais ça peut être le laisser naturel, les bouclés. Ça dépend en fait de
de vos cheveux à la base.